qui arrive. Chambre double. La meuf. Rentre, chaton. C'est ma meuf. Salut. En plus, il est en cuir, le con. Salut, toi. Eh ben, dis donc. Salut, Gary. Salut. Non. Plaisir et culpabilité. Oh. Oh. Mathieu! Donc, si je colle mon huc comme ça, nu, tu le vois ou pas? Je sais pas. Comment? Je disais, tu crois que si je colle mon huc nu là, ça se voit ou pas? Est-ce que ça fait deux grosses pommes? Bah, vas-y, essaye pour qu'on voit un petit peu. On teste après. Ouais. Je vais aller prendre ma douche. Ouais. Est-ce que tu as expliqué dans ton vlog que nous dormons dans la même chambre, dans un lit double? Ça va, Ken, sévère! Mathieu? Tu sais c'est quoi la phrase favorite chez Jackie et Michel? C'est Gary, t'as toujours la diarrhée. Non, la phrase favorite c'est « ça tourne !» Double sens. Et double sens, ça a un double sens aussi. Non. Ah si. Mathieu, ça va? Oh, tu veux nous expliquer, on fait quoi ici là? Mathieu? Filme tes chaussettes, putain. Il y a tellement de plus, c'est du 75. Il chose du 75. On t'appelle double pied 6 mètres. Regarde la taille des chaussettes. Il y a tellement de pluie, on dirait un charpé. Non mais regarde, la chaussette elle est tellement longue, tu peux la mettre jusque sous ton genou. C'est abusé. Il en fait peu pour, il en fait peu, il en fait rien. Hein. Excusez-moi, oui, vous auriez de quoi habiller mes pieds? Supplément chaussette. C'est quoi? Téléphone. Ouais. Bah non. Pourquoi? Mais normalement t'as pas ton iPhone avec stabilisateur machin. Ouais mais ça suffit là. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas, qu'est-ce que tu te prépares là? Je prépare un cappuccino, ça fait un mois et demi que j'ai pas pris un petit déjeuner vu que j'ai fait du jeûne intermittent. Ah ouais, ouais. Donc comme ça tu fais dans le jeûne? Vu le public que ton blog concernera, ouais. Je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Est-ce que ça va mieux la diarrhée, Gary? Je ne savais pas. Je vais tout manger ce soir. Alors, depuis 18h30, t'as pas répondu, hein. T'as pas parlé de soirée? Hey, salut! C'est Gary! Tu t'aimes, hein? Ouais! Oh, quel connard, putain! Fais pas genre maintenant, t'aurais fait exactement la même chose face au miroir. Le mec s'aime, il s'aime. Salut! Ah putain! Ne me filme pas, tu viens de faire une blague raciste. assume-la devant tout le monde, Gary. De quoi je veux que tu l'assumes? Hey, salut! T'as dit qu'il fait froid. J'ai dit, tu sais, je viens d'Alsace, j'ai l'habitude, et tu m'as répondu. Ça se voit. Ah, ça se voit pas. Assume tes ratés. Je peux pas. Non, tu fais pas, t'inquiète, je filme pas là. T'es prêt, Gary? Ouais. 2. Welcome to PNL2. Entrez, monsieur. Merci, Matt. De rien. De vous. Qu'aujourd'hui, j'ai su alors que pour moi, à la base. Je partais dans le but de me dire... Salut, c'est Mathieu et j'espère que tu as la forme. Et non, je ne suis pas Gary, mais tu m'as sans doute vu sur le manoir des hypnocoachs, le vlog PNL niveau 1. Et aujourd'hui, on est à Paris 13e, à l'Apogée, juste ici, Austerlitz, pour le vlog PNL niveau 2. Donc viens avec nous, ça va super bien se passer, tu vas bien rigoler. Et à bientôt, bye bye. Merci Katia. Il y a plein de choses à manger ici. Ah, des choses chinoises, c'est génie. Ah, ouais, des choses chinoises là. Génie. Génie. Je connais mes valeurs là. Valeur numéro 1, l'hypnose. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Attends. De toute la sexualité que vous avez. Allez, Gary. Ouais. Vous êtes prêts? Après, vas-y. C'est plus de Noël, bébé. C'est le 14 celui-là? Non, le 12. Le 12. 12, ouais.
Ouais, viens, éventuellement, je viens. Hey. Gary, on était connectés, on n'est plus connectés là. T'as ça dire pour le blog ? Non, mais en fait, on n'est plus en rapport, ça se sent. Quoi, on a eu des rapports ? Et la valeur famille aussi. Donc, t'as envie de gagner plus d'argent, ouais. Sans perdre en fait le temps passé avec la famille. D'accord. Donc, gagner plus d'argent et rester en contact avec ta famille, c'est bien ça ? Ouais. Un peu plus avec ta famille. Ouais. Donc, gagner plus d'argent et rester un peu plus longtemps avec ta famille. Donc, on a deux situations complètement différentes. Ce que je vais te demander, c'est on va les amener de façon à ce que ce soit une partie de toi qui a envie de gagner plus d'argent et une autre partie de toi qui a envie de passer plus de temps en famille. Ok ? Ce que je te propose, c'est de les mettre chacune dans la main que tu veux pour pouvoir bien les différencier. L'argent et la famille. L'argent et la famille, d'accord ? L'argent et la famille. Maintenant, je vais te demander, moi, pour encore plus les identifier, de pouvoir les visualiser, leur donner une forme, peut-être une texture. Tu vois, les matérialiser, ces deux, argent et famille. L'argent, je l'imagine comme une besace avec le sigle euro. Voilà. Et la famille... avec ma fille et mon homme. D'accord. Maintenant, je vais te demander... Photo, en fait, de famille. Photo de famille. Je vais te demander soit de garder les yeux ouverts, soit de garder les yeux fermés. Quoi qu'il en soit, moi, je m'adresserai uniquement à ces deux parties-là. Uniquement à ces deux parties-là. Et donc, je vais m'adresser à la partie, justement, famille. Et à la partie famille, justement, toi qui as besoin de passer plus de temps avec la famille et qui veut passer plus de temps avec la famille, je voudrais te demander à quoi tu sers aujourd'hui, à Delphine. Du bien-être. Du bien-être. Ok, parfait. Et toi, partie argent, à quoi tu sers, à Delphine ? Liberté. Liberté. Et là, de la valeur famille et de la valeur argent, bien-être et liberté sont venus se positionner en valeur. Et moi, je vais demander à bien-être de pouvoir juste bouger des doigts et de ressentir comment bien-être tu es justement, juste prendre conscience à bien-être à tous les niveaux, au niveau de la texture, au niveau du ressenti, au niveau du poids, ou peut-être de la légèreté, ou peut-être au niveau de la forme. De bien prendre en conséquence justement toutes ces particularités, ou ces petits plus. Et moi, justement, je voudrais te demander et te dire déjà merci. Merci beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu fais pour Delphine. Et je voudrais te demander qu'est-ce qui est important pour toi. Pour la partie bien-être ? Oui. Qu'est-ce qui est important pour elle ? Oui. Qu'est-ce qui est important pour toi, bien-être ? Partager des moments de joie. De partager des moments de joie. Ouais. Et quand tu partages des moments de joie, ça te permet quoi d'encore plus important ? D'être heureux. D'être heureux. Ok. Et maintenant, je voudrais faire intervenir l'autre partie, justement. Et moi, justement, j'aimerais te demander que tu prennes connaissance de ta texture. Que tu prennes connaissance de ta forme, peut-être une couleur, peut-être une odeur, peut-être un son. Voilà, exactement comme ça. Que tu en prennes bien conscience. Et je voudrais te dire, toi, cette partie tellement importante pour Delphine, à quoi tu lui sers, Delphine ? À se faire plaisir. À se faire plaisir. Et quand tu lui sers, justement, et que tu lui apportes ce plaisir, ça te permet quoi d'encore plus important ? D'être heureux. Ouais, génial. En plus, là, on a une valeur commune qui est arrivée très tôt. Ouais. Mais toutes les deux parties, que vous souhaitez que Delphine soit heureuse, vous êtes en train de travailler pour elle
à différents niveaux. Et toutes les deux parties, vous travaillez dans le but commun de rendre Delphine heureuse. Donc ce que je vais vous demander, moi, c'est de trouver un accord et de vous rapprocher parce que vous faites le même travail pour Delphine. Toutes les deux parties, quelle que soit la partie travail, quelle que soit la partie famille, quel que soit le bien-être, ou quel que soit tout ce qui a pu en sortir de là, toutes les deux, vous êtes pour que Delphine, elle soit bien. Et là, je vais vous demander tranquillement de vous rapprocher, qui sait, peut-être, de trouver soit un nom, soit je sais pas, une forme, soit quelque chose qui puisse vous représenter toutes les deux, scellant cet accord. Scellant vraiment, vraiment cet accord. Ok. Et d'intégrer pleinement à l'intérieur de vous cet accord de réussite, de vouloir aller dans le même but, toutes les deux, d'amener Delphine dans ce bonheur, dans cette joie, dans ce... tout simplement. Et de se projeter d'ici quelques heures, quelques semaines, quelques mois, avec la réussite de votre accord, la réussite de cette intégration réussie, de ces deux valeurs complètement différentes et tellement, tellement unies, tellement ensemble. Et de voir tout ce qui a changé et qui s'est mis en place depuis cet accord. Et tout ce qui a évolué. Et pourquoi pas de se faire un ancrage supplémentaire pour pouvoir se voir et revivre ça, ces jours heureux avec cette réussite et cette évolution de cette coopération. Travail. Famille. En fait, ça fait qu'un quand on sait bien s'y prendre. Et quand c'est bon pour toi, de revenir ici maintenant avec nous. Comment tu te sens? Bien. Bien. Heureuse. Ouais. Ok. Je laisse le travail se faire. Le travail va se faire encore d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et tu verras, tu ressentiras l'évolution, le changement de tout ce qui se passe dans ta vie là, actuellement. Ok. Merci pour toi. Merci. Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je t'emmène avec moi à Paris, au Starlitz, à Paris 13, à l'Apogée, pour un vlog avec moi. Je t'emmène en formation PNL niveau 2. Si tu n'as pas vu le vlog du niveau 1, ça se passe juste là. Salut toi. Hey, Rodels. Salut. Ça va, Gary? Comment t'appelles-tu? Présente-toi. Je m'appelle Vincent et je suis un de Poitiers. Et je suis au café, ça fait trop bien une petite pause. Ah ouais. Parce que la PNL c'est intense. Hein. Ah ouais, c'est intense. Ah ouais, c'est intense, ça nous retourne le cerveau, mais dans le bon sens. Donc c'est cool. T'es complètement timbré toi. J'ai la banane. Ton t-shirt. J'ai la banane. Il est petit, il est timbré lent. Ouais, mais je vais épicer. Ah, Poitiers. Qu'est-ce que tu me racontais l'épisode de l'hôtel cette nuit? J'ai dormi avec Gary. Pas dans Gary. Dans une superbe chambre d'hôtel. Moi et Gary. Étant donné que le lit est un peu trop petit, nous avons donc décidé d'une manière commune, moi et moi-même, que Gary dormirait par terre. Et donc, Gary dort par terre. Il a un superbe, superbe coussin. On a réussi à gratter, grâce à la PNL, une superbe couette. Et la moquette étant très confortable, Gary est plutôt à l'aise au sol. Voilà. Merci. Non. Tu vois le travail. J'ai tellement envie de continuer mon truc. Salut Mathieu. Bonjour les amis, c'est le grand chauve qui te parle. Qu'est-ce que t'as dans la main? J'ai une main, 2023. Yes. Ouais, t'as quoi dans la main? J'ai une bière avec un peu de champagne. Santé. Salut. Santé à tous. Santé Gary. Par exemple, moi je t'ai même pas encore ouvert. Ah oui? Du coup j'ai ma lise, elle me croche bien. Ouais! Allez à table! Oh ouais! Le moment préféré de la journée.
Delphine, fais voir. Oh là là, oh là là. Je sais pas laquelle c'est, là, en premier. Merci, Delphine. Meilleur. Ça manque de piment, du coup. Il manque piment d'Espelette. En Lydia, si vous avez l'application, dans ma fête environnement, ou demain, sinon, plus c'est tard. C'est qui, Lydia? Arrête, arrête, arrête. Pour moi, Lydia, elle est blonde. Et pour Katia, pour le champagne des filles, pour au revoir. Tarso, tu fais quoi? On t'entend pas. Tarso, tu fais quoi? Je fais le premier réel de Mathieu. Ah ouais? Ça va bien donner, ça va bien donner. Ouais, tu penses? Ah, il a mon montage sérieux, Tarso. Je m'appelle Mathieu. Aujourd'hui, je profite d'être en formation PNL niveau 2 pour m'adresser à vous. C'est simplement pour un message. Soyez heureux, soyez vous-même, parce que c'est la clé de votre bonheur. Vous voyez énormément de choses sur les réseaux. Tout son contraire. Des gens bien faits, des gens mal faits. Mais surtout, vous voyez beaucoup de paraître. J'ai eu du surpoids, j'ai connu des difficultés de motivation et il m'arrive encore de faire le yo-yo. Mais je suis heureux et je suis en paix avec moi-même. Et c'est peut-être grâce à la PNL, peut-être grâce à d'autres choses et d'autres outils dont je pourrais vous parler ultérieurement. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes OK avec vous-même? Demandez à quelqu'un qui gagne de l'argent. Il a l'air super heureux. Ah oui, vous en êtes sûr? Est-ce qu'il passe du temps avec sa famille? Est-ce qu'il voit ses amis? Est-ce que l'argent le rend heureux? Est-ce qu'il n'a pas d'autre rapport à l'argent que le bonheur? Voilà, tout ça pour vous dire d'être heureux et d'être vrai. Étage par le bas, en lui faisant prendre en conscience et en considération tous les niveaux. Mathieu, réceptionne. Ah non. Qu'on peut décaler, vas-y. Hop. Notre plus jeune. Bravo, génial. Bravo, super. La photo. Merde, merde. Gary, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog, formation PNL niveau 2, à l'apogée Austerlitz, Paris 13e,
Alors n'hésite pas, installe-toi confortablement, prends des chips, prends du pop-corn et regarde ça correctement. À bientôt, salut, c'est Gary. Peace.